y a un rat. Ah, je crois qu'il est là-bas, il est à côté de Raptor aussi. Putain, je le vois. Alors, je vais essayer de bolasse l'alpha. Et ceux qui seront pas bolasse, vous pourrez les buter, d'accord? Les Raptors, attends, et... je vois pas le chien pour le moment. Ah, si, je le vois. Et. L'alpha est bolasse, les autres, vous pouvez les bouffer. Oh putain, c'est l'alpha que j'ai touché, putain. Je suis Keblo là. Cette musique, elle fait Predator un peu, je trouve, hein. Ouais. Ah, ça y est. Ah là, c'est bon. Ok. C'est bon, bola. Aïe, putain. Il est où? Il est là, dans l'herbe. Let's go, let's go, let's go. Tout dans la tête, tout dans la tête. Il saute mais c'est pas grave, il est toujours là. Reculez, reculez, reculez. Hein. Je pense qu'il va tomber. Enfin il va tomber, il va lâcher les voilà. Normalement il va fuir. Il est bola, on va bouger Buffy. Putain bon. Je t'ai mis une flèche mon gars. Voilà. A few moments later. Et du coup j'ai carrément été tapé. Ah ouais. What? Mais comment ça se fait que toi tu fais des couleurs stylées? Je suis pas d'accord là hein. L'autre il se met des trucs hyper stylés. On dirait que le truc il vient des... Enfin le truc vient des enfers avec du sang sur la gueule et tout. Hyper c'est stylé beau. Dites moi les couleurs que vous voulez hein. Je peux faire ce que okay. vous voulez. Ok, bah vas-y tu veux mettre quelle couleur à Sylvanas Arcane, dis lui il va te le faire. Quelle couleur t'aimes bien? Toi je suis j'aime bien le blanc crème cassé. Là, ça, on stocke. Le blanc, blanc crème fraîche. Tout rouge. Ouais. Tout rouge. De quoi? À la place du blanc, le rouge, pour commencer? Ouais, à la place du blanc, le rouge. Ouais. Ah, ça pourrait être inversé, du coup, il serait... Ah, on dirait qu'il vient des... qu'il était dans un bain de sang, c'est chelou. Oh, c'est joli, cette couleur-là. Cyan, comme ça, putain, c'est... j'aime beau. Trop cette couleur. Oh, oh il est trop oh. beau. Attends. J'aime beaucoup. Alors j'ai 36, sinon, à l'intérieur des oreilles, blanc un peu plus. Est-ce qu'on peut mettre l'intérieur des oreilles plus foncé? Est-ce qu'on peut lui mettre une canine rouge et une canine noire? Regarde, t'as soit ce blanc là, ouais. soit ce blanc là. Oh, les deux ils sont beaux. Ouais, peut-être celui-là, ouais, celui-là il fait peut-être moins un peu moins, fort, moins tape à l'œil. Voilà. Ouais. Bon allez, on fait quoi? On démonte la maison? T'as vu le Demogun, c'est pratique. Hein. Ah oui, regarde Arcane. C'est vraiment, ouais. T'as vu? C'est pour ça que je regarde, je connaissais pas ça. Hop là. Ah là, j'ai toute la maison sur moi. Touché. Moi je vous laisse faire. C'est toi l'alpha donc c'est le caldot hein. Ah non c'est moi le caldot maintenant. What? What? Attends je suis coincé. Ah c'est parce que t'étais trop loin en fait. Ah. Normalement c'est le plus haut level qui est l'alpha. Putain c'est hyper beau. Ouais vous avez rien vu encore. Tu vas nous emmener dans une zone magnifique c'est ça? Pas le choix en fait, ouais. Y a que là. On a fait tout le tour, y'a que là qu'on peut sortir du coup. C'est magnifique. Et on peut grimper tout en haut, genre? Oui, oui. Oh, c'est un truc de malade. Donc là, on va arriver dans la nouvelle zone. Oh, attention. Par contre, là, il y a une meute. Oh, le spider en bas, il est stylé. Alors, la zone à droite, elle est magnifique. Ça bride toutes les couleurs. Ça me fait penser au Hobbit. Excusez-moi. Les couleurs jaunes comme ça, avec ouais, les mines, vrai, tu sais. Oh, regarde, de, lève la tête, lève la tête. Oh, ouais, non mais c'est trop beau. Super beau putain. La vallée en bol. Allez venez, ouais, je vais vous montrer un truc cool. Ok vas-y. Normalement je elle est la là. Télage pour le moment ça sert à rien. Autant j'en profiter de la besoin, vue. J'en ai besoin mais pas tout de suite. Ok c'est là. Si. Réactive ah, la TH. Ah trop bien. Donc là, vous regardez la corde et à partir du moment où vous avez la crosshair, quand vous avez la crosshair et seulement vous faites espace. Wouh! Mais non, t'avances. Ah, mais Arcane, Arcane avance. Ah, bah t'avances pas. Hein. Alors là, si vous voulez, vous pouvez faire C. C et pas X. Yeah. Je parle de mon ATH? Vous, regarde, vous pouvez vous croiser. Ah, regarde, super. Je passe au-dessus de vous. Coucou! Et ça c'est glisse ouf. Aussi quand tu fais shift. Hein. Ah, shift, ça glisse. Fais C pour remonter puis tu fais shift. Pour que tu vois bien. Vas-y, fais shift en avançant. Ah, c'est trop bien. Et quand c'est une corde, en fait, quand c'est une corde métal que tu poses, tu vois, ça fait des étincelles, c'est trop drôle. C'est bon. Wow. Tu vois la... là, tu vois le monde. Petit saut à la fin. Ah, oh, c'est flippant. Waouh. C'est ouf. Vas-y, viens. Hein. Ah, j'aime trop, putain. Oh, c'est quoi ça? On peut y bien aller? Suis-moi. Je
j'enlève. On va sauter là. Oh, il y a des pattes d'araignée, c'est chelou. Ouais. Ah non, mais arrête, c'est pas le moment. Ah, merci. Faites attention aux champi. Attends, elle est où? Je suis là. Je vois pas. Ok, fais gaffe aux champi. Oui, je suis là. Ouais, mais... Oh, il y a une plateforme. Oh, avec un petit. Oh, là, oh mais là, c'est pas. Vous voyez, ils ont foutu des cordes. Les mecs, ils sont dans le turfu. Regarde. Alors, vous allez faire comme moi, ok? Ok. Vous prenez la première corde là, vous descendez. Vas-y, à toi l'honneur, Arkane. J'enlève la TH. Alors, oh X, c'est pour lâcher la putain, corde. Putain, comment c'est beau. Bon. Ok. Voilà. Ah non, mais attends, oh, là c'est bon, défonce. Je suis en panique. Oh, on peut habiter dedans. Vas-y, lâche. Alors, ensuite, là tu te laisses tomber sur l'arbre gentiment. Sans sprinter, etc. Vous laissez tomber chacun votre tour par contre. Vas-y, avance. Vas-y. Voilà. Donc là, vous regardez la corde à gauche. Vous faites espace. Alors attends, si t'es à l'envers, tu fais juste S pour se retourner. Oh, j'adore, c'est super beau. Attends, moi j'enlève la TH. Enlève la TH, hein, tu vas voir. Hein. Non, il te la faut. Il te la faut parce que tu vas faire que changer de corde. Non, mais là, quand je fais ça, j'enlève la TH. Hein. Oh non, mais c'est magnifique. Là, tu fais X pour lâcher. Wow. Vas-y, va au bout. Bon alors là, faut vraiment pas tomber ici parce qu'en dessous c'est la flotte et en dessous c'est méduse et tout ça, donc t'es mort. Donc là, pareil, faut regarder la corde à droite. Hop. Vas-y, avance. C'est bon ? Mais attends, moi y a que moi qui suis qui trouve ça magnifique. Non mais t'inquiète pas. Et une fois ici, quand t'es là, tu fais X pour lâcher la corde. Quand t'es tout au bout. Parce que sinon en fait il va te bump en arrière. Vas-y, fais X. Voilà. Et bienvenue dans la zone que nous appelons nous communément les abysses. Et si tu veux savoir, ce genre de pierre là qui est très belle et qui reluise bleu, c'est du métal. Putain. Ouais, c'est des pierres pour masse métal. C'est bon, on dirait un putain de truc alien. C'est magnifique. Ah, vous c'est super beau ici. Autant y aller mollo. Pourquoi il y a un tremblement de terre? Bah écoute, tous les temps de temps sur Aberration, t'as un tremblement de terre. Attends, deux secondes. Je regarde si je vois pas des Rock Dragon. Là, regardez bien où vous marchez, on sait jamais. Ouais. Il peut y avoir des basiques dans les arbres. Mais c'est ce que j'allais te dire. Parce que des fois, il peut y avoir des trous. Nameless. Oh non. Si. Moi, je saute dans le vide. Si on a des boules de. Ah bah non, c'est tu leur mets le coup de patte, tu les fais tomber dans le vide. Cool. Tiens, Gloom. En fait, moi, ce que je regarde, c'est surtout parce que tu vois, ces jolies branches, les Rock Dragon, ils adorent. À droite. Tu vois le caillou à droite là? Tu vois pas un truc qui je le vois. Caillou? Ah, je les vois. De quoi? Qu'est-ce que je vois pas? Je vois pas. Là, devant moi, tu vois là devant moi, le caillou est devant moi là. Attendez, je peux regarder. Ah oui, il est là. Faut qu'on soit trop près quand même. Là, on est pas passé à côté de cet arbre de ouf, hein. Ça me dit rien du tout, moi. Waouh. Wow. C'est beau, un hein. Serpent. On se croit, tu sais, face. Dans Avatar là pendant le truc du mariage ou je sais pas quoi là. Faites gaffe là, par contre, ça va être exigu, donc tombez pas. Allez, ta mère. Et on te demande si tu vas faire des lives dark tous les combien? Comment? On te demande tu vas faire du live dark tous les combien? Normalement tous les week-ends. Normal. Ah, il y a une corde là. C'est ça que je voulais. Normalement tous les week-ends. Mais après faut voir si j'ai le temps. Et de toute façon en parallèle il y a les vidéos sur la chaîne qui continuent où on va tamer des dinosaures et ça va pas changer. Et ensuite là c'est cool parce qu'on va même pas avoir besoin de lâcher la corde ou quoi que ce soit. Tu regardes directement copains. La suivante. Hop là. Si ça c'est pas beau. Je sais jamais quoi on fait par contre. C'est bon, je les ai sifflés. C'est parti du moment où t'es descendu. Bon. Alors là, il vient de rentrer dans le trou, mais on va attendre. Putain, c'est un. Ah non. Alors, faut pas prendre ses cristaux. Et dès qu'il est dans le trou, d'accord. Ouais. Vous mettez au-dessus du trou, ici là. Et vous appuyez sur la touche de votre dernier slot. Et vous allez lui jeter du miel. Et ça va le tam. Ouais, le 0A. Vas-y, je vais essayer après. Vas-y. Attends, pas tout de suite. Vas-y, maintenant, avance un peu, vas-y. Oh bah voilà. Oh direct. Oh, je me l'appelais trop tard. C'était un petit level. On peut tenter. Attends, si tu la one shot, on peut tenter l'autre. Hein. Ouais, le. Carrément. Mais ils sont. On dirait des rats sans poils en fait, c'est ça leur. Et je balance les deux ou quoi? Non, un non seul. T'en balances qu'un. Vas-y, tu te mets au milieu, t'attends. Vas-y. Vas-y, appuie.
crois qu'il a bouffé. Bon. Il l'a chopé, ouais, moi, il est presque 38%. Middle. 38, ouais. Il est 38%. Bien. Là, tu peux rééquiper pour lui en rejeter un deuxième. Ok. Et je vais le faire aussi. Je fais le Vas-y, prochain. Kiki ou Anto. Non, Anto, parce que moi j'ai one shot l'autre. Ah, ça va être ton moment. Vas-y. Yeah. Yes. Yeah. Et bah voilà, ça nous fait 2 rats. Bah finalement, c'est hyper rapide en fait pour en format. C'est cool. Donc du coup, on se place où? Comme ça, à la limite, si au cas où, bah Arcane il doit aller dodo, bah nous au on... Au plus près du charge node si possible. Allez, ouais, je fais des bisous à tout le monde. Allez, à demain, ma biche. Merci à tous. Ouais, bisous. Allez, ciao, ciao. Hey, cucu bulldog. Il est cool, lui. Trop pratique, il forme les bêtes tout seul. Il est beau, lui. La SPA de Kiki. Oui, mais je sais, mais dès que je vois un boule. En plus, il est cool, il est bleu. Voilà. Il est trop cool. Blue. Je l'aime bien. Il saoule, lui, là. Arrête, hein. B. Là, tu vas l'air tout. Allez, c'est parti. Je vais vous oxymettre. Non, mais non, c'est pas lié. Oh merde. Oh. Putain, mais je suis coincé. Les amis, j'espère que vous avez bien vu ce qui était écrit à l'écran. Il a tué Blue. Non, non, c'est pas Racer qui a tué Blue, c'est pas moi. Ouais, voilà, voilà, Blue est morte. Une minute de silence pour Blue, s'il vous plaît. Du coup, le cadeau pour Arcane, t'inquiète, on va faire le cadeau pour Arcane par la... Après. T'inquiète pas, après. Ouais, mais attends, mais là, c'est vachement plat, là. Ouais, c'est pas mal, là. Ouais, mais il y a plein de saloperies, quoi. Ouais, c'était en plein milieu, mais regarde, là. Attends, là on a la corde en plus, ouais, pour aller en face. Et on se met là, on rase tout ce qu'il y a là, et on se met en bord de falaise là. Oh, regarde, t'as la grotte là. La fameuse grotte. On peut se mettre en bord de falaise là, non? En bord de falaise, est-ce que ça pue pas la merde? Non, mais tu sais, on se prend toute la zone là. Là. Ouais. Ouais. Pour rapatrier. On est bien là. Putain, c'est hyper haut, du coup. Ouais, parce qu'on fera 2 étages dedans. Ouais, c'est pas bête. Oh putain, on a une deuxième Blue. Les amis, Blue is back. Blue is back, je répète. Pas. Blue is back. Vous êtes trop beaucoup méchants avec Arcane. Mais oui. Et là, on essaie de lui trouver en fait quelque chose à faire pour que demain, quand il se reconnecte, ça soit une surprise. Mais à la base, c'était une bonne surprise. Sauf que tout le monde veut l'enfermer, lui mettre des menottes. Finalement, ça, c'est une mauvaise surprise, quoi. Donc, c'est bizarre. Alors, j'ai une super idée. Passe de surprise, les corps qu'on pas a placé, ça va. Ah, alors Yuni a une idée. Une chambre entièrement en glace métal invisible. En S+, tu peux mettre du glace métal. Et en fait, le glace métal, c'est du verre. Ouais. Mais tu peux le rendre invisible. Donc c'est à dire que tu lui fais une chambre, il va croire qu'il va pouvoir avancer et puis il va se prendre des murs invisibles. Oh, putain, c'est pas con. Ouais, mais il a donné des coups de dents. Ouais, bon après s'il donne des coups de dents... Ah, c'est trop stylé ce que tu fais par contre, comme ça. Ah, c'est pas... Hey Yuni, je t'aime ma Yuni. C'est trop une bonne idée, parce que je le connais en plus, parce qu'il va paniquer, il va faire « Mais attendez, c'est pas normal et tout !» Il faudrait que demain, on se connecte tous en même temps, parce que s'il se connecte avant, on est foutu. Il va s'en apercevoir. Alors si on se connecte tous en même temps, se connectera pas sans nous. Et qu'on entende sa réaction en live. Je fais un glace métal, mais genre, tu sais, je fais exprès de le mettre au-dessus du vide là. Et vu que c'est du glace métal, il verra pas qu'il y a des structures. C'est pas con. Donc il va se chier dessus quand il va. C'est pas bête. Fais gaffe, hein, tu vas un peu vite là. Ouais, t'inquiète, ça passe. T'as vu, c'est là où il y a le machin où je me suis fait défoncer. Oui, j'ai vu. Switch ton menu alors. Ah, tu lui as mis la tête dans le cul? Oui, bah écoute... Attends, un petit peu de politesse quand même. Il aura sa selle, il l'aura moins dans le huc. Bah oui, mais bon. Voilà. Ah, t'es en train de faire quoi là? Ah, on fait le trap juste avant d'aller... Alors, t'es où pour faire le trap là? Derrière la maison. Alors les amis, on fait le trap à Arcane avant d'aller dormir. C'est pas bien les copains ce qu'on fait, c'est pas bien. Un prank. Vous faites quoi? Un prank Arcane, oui c'est ça. En fait, on prank un ami qui est parti dodo et qui va se reconnecter demain pour jouer avec nous.
Et en fait, on lui fait une petite blague. En fait, si tu veux, Kate, ce qu'on va faire, c'est Yuni qui a eu l'idée d'ailleurs, très bonne idée. En fait, on va mettre toute une structure métallique que tu vois là. Sauf qu'après, on peut changer sa transparence et la mettre totalement transparente. Et en fait, on va le mettre à l'intérieur. Du coup, il sera enfermé dans ce cube qui sera totalement transparent et que personne ne pourra voir à l'œil nu. Nous, on saura qu'il y a un cube à cet endroit-là. Et lui, quand il va se reconnecter, il va paniquer parce qu'il sera au-dessus du vide. Et il comprendra pas ce qui va lui arriver, en fait. Et ça va être assez drôle. Oui, bah bien sûr que ça va être record. En fait, si tu veux, demain, on relance un live. Donc, peut-être à 21h, 21h30, on verra. Avec Arken. Et je vais faire en sorte, justement, qu'il se connecte en même temps que nous sur Ark. Mais il faut qu'on se connecte tous en même temps. Comme ça, il va se mettre à paniquer. En plein live en fait, tout le monde va entendre sa réaction. Par contre le truc c'est qu'il regarde toujours sur son deuxième écran mon live. Donc en fait faut que je sois hyper normal, neutre, que je fasse style de rien, fasse ah bon t'es en train de tomber, c'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Et dans le chat va falloir vous jouer le jeu, et pour ceux qui seront là du coup demain 21h, 21h30, faire style de rien, genre vous en foutez, c'est quoi ce bug, what the fuck le bug. Mais ne dites pas que c'est un prank, parce qu'il va falloir justement que ça tienne un petit peu, ça va être assez drôle. En m'asseyant dessus comme une bête, parce que j'ai oublié que je les avais posés dans le lit en deux spies. Et puis je les ai pétés, et en fait ces branches c'est un peu de la merde, puisque c'est du full plastoc, et tu peux pas changer en fait la vis. Une fois que c'est pété, t'es foutu. Donc du coup ça c'est des clims, ça coûte 30 euros, carrément moins cher. J'ai fait une revue dessus, elles sont vraiment excellentes. Je peux pas l'enlever le pilier, si je l'enlève... Bah en fait la cage elle sera pas fermée et s'il court tout droit bah il va sauter puis il va réellement mourir, c'est pas le but. Oh mec. C'est sacré connard.